Coco. Connectez-vous. Coucou. Alaska winner. Connectez-vous. Petit cassement de papo. Connectez-vous. Solo petit coucou à toi. Je bois du Schweppes. Voilà. Partagez massivement. Ce petit direct chap chap. Maman dit, coucou à toi. Collaption. Camille, coucou. L'homme fort, je vais bien. Kadi Diallo, coucou à toi. Olivier de Mboti me dit tu es fiancé. Ah bon. Ali Traoré, coucou. Cassement de papo. Il fait beau ici en tout cas, tranquille. Oui, il fait très beau. Très très beau. Dumbia Zouzou. Coucou à toi depuis ta position. François de Sali, Zouzoua, coucou à toi. Partagez massivement. Faites monter le mercure. Je vais faire un petit cassement de papon. Dama Bruno, coucou. François Seca, je te claque plein de bisous. Franck Oula, coucou. Florentin Conan, coucou. Joseph Dim, je t'aime maman. Je t'adore aussi. Funga Soro de la Guêpe, merci. Vraiment merci beaucoup. Merci à tous. Dieu m'a pas dit on est calé comme les aquanus du plateau. Le rétro, hein? All right. Naba Pruno, je ne réponds pas à des questions de ma vie privée, je suis désolée. Franck Ernest, gros bisous à toi.
va commencer. Petit cassement de papeau, chap chap. Je viens de recevoir des petits sons. Je dis attends, je vais partager. Voilà et tout. Le son était contre Amine concernant Touré Alpha Yaya, ce marmailleur, ce délinquant, ce voyou, ce bandit, ce mouchoir prostitué politique, voilà, qui ne fait que voilà, passer tout son temps à vouloir dénigrer l'image de notre leader Soro Gibafori Diop. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut sur la terre. Quelqu'un qui passe son temps, pardon, à vouloir passer par toutes les voies et moyens à être riche, sans souffrir. Ça, c'est Touré Alpha Yaya. Voilà. La dernière fois, quand j'ai fait le cassement de papeau concernant, les 1 milliard, où il a été, on l'a record, voilà, dans une banque avec les 1 milliard de francs CFA, j'ai fait ce cassement de papeau. Et après cela encore, j'ai fait un cassement de papeau sur un de ses amis. Voilà, la marmaille de bois avec les Dramera et Touré Alpha Yaya dans leur, comment on appelle, manière de vouloir, de faire les blanchiments d'argent, voilà, dans notre pays. Après cela, j'ai fait un autre cassement de papeau sur son ami et son complice de bois qui est parti jusqu'au point de vouloir aller louer la maison de quelqu'un qui s'est dit, qui détient une promotion immobilière que moi, je ne peux pas concevoir la guêpe. Voilà, moi, je fais pas une promotion, mais au moins, je suis chez moi. Voilà. Donc, quelqu'un qui a une promotion immobilière qui construit pour des Ivoiriens, je ne peux pas concevoir comment est-ce que tu n'as pas toi-même ton toit. C'est étonnant. Voilà. Donc, le papeau de ça a été cassé. Maintenant, je viens de recevoir un papeau encore me disant que le palabre qu'il y a, assez de cœur, hein, mettez assez de cœur, sécurisez mon direct. Le petit bang-bang qu'il y a entre Kandja et Touré Alpha Yaya, je vais vous expliquer comment leur palabre là, ça a commencé. Et quelles sont les personnes, aujourd'hui là, c'est causerie, hein, c'est causerie de fraponnage, comme ça je suis en relax. Comment est-ce que leur bang-bang là, comme les Ivoiriens le disent, leur palabre, leur fraponnage là, leurs histoires entre Kandja et Touré Alpha Yaya, comment est-ce que ça a commencé et jusqu'au point où on arrive où Kandja ne veut même pas sentir Touré Alpha Yaya. Ça a commencé et je vais m'adresser, partager le direct. Les personnes qui sont au courant du palabre de Kandja avec Touré Alpha Yaya là, qui connaissent la version, la vraie version que je vais venir parler maintenant là. Si vous ne dites pas la vérité, que vous ne passez pas par les vœux, mais vous ne rentrez pas dans mon inbox, je vous dis que vous mettez vos papos là. Je détiens ça. Et puis, je vais casser les papos. Donc, à force de vouloir, vous allez vouloir couvrir Touré Alpha Yaya. Moi-même, je vais vous exposer. Ce n'est pas un débat. Et puis, je mets quiconque au défi de ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, je vais vous dire, Touré Alpha Yaya, allez chez Kandja. Et ça, je vous parle de quelque chose que des personnes sont au courant de ça. Il allait chez Kandja un jour et Kandja a demandé, pardon, elle voulait aller utiliser les toilettes. Voilà. Kandja voulait aller utiliser les toilettes. Donc, il allait rendre visite à Kandja. C'est comme si tu viens moi me rendre visite. Je suis chez moi à la maison, j'ai mon sac, j'ai mes portables. J'ai mes affaires à côté de moi, donc je suis chez moi. Voilà, il n'y a aucune raison pour moi de me lever pour aller prendre mon sac ou bien rentrer dans ma douche ou bien rentrer aller aux toilettes avec mon sac si j'ai de la visite. Je n'ai aucune raison de le faire. Donc, Touré Alpha Yaya est allé rendre visite à Kandja. Il va rendre visite à Kandja et Kandja veut utiliser les toilettes. Donc, elle se déplace, elle laisse son sac à main. Et elle rentre dans les toilettes, elle va utiliser les toilettes. Elle ressort des toilettes, tout, elle cause avec Alpha, tout et tout. Et après, Alpha part, elle se rend compte que l'argent, elle avait de l'argent dans son sac. Elle
elle se rend compte que l'argent qui était dans son sac là, ça a disparu. Il n'y a personne. L'argent était dans une enveloppe, dans son sac à main, et la seule et l'unique personne qui est venue lui rendre visite là, c'est Touré Alpha Yaya. Donc si son argent disparaît, c'est que c'est Touré Alpha Yaya qui a pris son argent. Donc maintenant, elle va confronter Touré Alpha Yaya et lui dire, ah, tu es venu me rendre visite et toi tu pars et mon argent disparaît. Dans quel coup? Touré Alpha Yaya maintenant, la honte sur lui. La honte est sur lui. Donc Kandia était tellement fâché et je dis, je mets quiconque au défi, partager ce direct. C'est un direct chap-chap, hein. J'étais dans mon bac et en train de me relaxer. Voilà. Et maintenant, ce cassement de papeau là, c'est venu rentrer dans mon corps. Je dis non, je ne peux pas passer la nuit sans partager ça avec les Ivoiriens. Voilà. Donc, Kandia a fait chièrement de ça pour donner à Touré Alpha Yaya. Il parlait qu'elle a renu tous les membres de Gon pour leur expliquer. Voilà ce que Touré Alpha Yaya a fait. Il est venu chez moi. Je l'ai reçu. Il allait prendre de l'argent dans mon sac à main. Donc, vous, les gens de Gon, là, je connais la liste de toutes les personnes qui étaient là quand Kandia a eu à expliquer l'histoire. Vous êtes au courant de la marmaille, du vol que Alpha Yaya est allé faire chez Kandia. Vous savez la raison pourquoi est-ce que il y a un gros palabre entre Kandia et Touré Alpha Yaya. Et puis, c'est pas ça seulement, hein. Je vais vous expliquer encore. La ministre Marie-Tou Koné, ministre de, de la solidarité et quoi. C'est une dame que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'estime pour elle. Voilà et tout. Et cette dame, Touré Alpha Yaya, est allée raconter que cette dame est une des fiancées ou bien une des maîtresses de Amadou Gon Coulibaly. Donc, quand il a fait le cassement de ce papeau, puisqu'on était tous ensemble avant, voilà, il est rentré dans les inbox, il a eu à dire, cette Marie-Tou, je l'aime bien, ça fait que, pour elle là, tu vois, j'ai pas envie de tout donner, quoi, parce que même les sororistes, on adore cette femme. Voilà. Donc, il est allé, j'ai dit, ce gars-là, partagez, nous sommes à 3000 personnes connectées, partagez, parce que j'ai arrêté ma relaxation là dans mon truc pour venir vous faire un cocossa. Donc partagez, faites monter le mercure, on a 3200 personnes connectées. Donc maintenant il est venu raconter que Marie-Tou sort avec Amadou Gon Coulibaly et que Marie-Tou sort avec Amadou Gon Coulibaly et que Kandia, elle est jalouse de ça. Kandia, il paraît que c'est ce que Touré Alpha Yaya nous a dit, oh, que Kandia est l'ancienne copine de Alassane Dama Ouattara. C'est Alpha Yaya qui nous a dit que Kandia est l'ancienne copine de Alassane Dama Ouattara et que même Dominique Ouattara, elle n'est pas contente de cette relation, qu'elle n'est pas contente. Que mais Dominique Ouattara ne peut pas parler parce qu'elle-même sort avec Ahmed Bakayoko. Moi, je suis en train de vous dire ce que moi, on m'a dit. Voilà. Ce côté-là, je suis en train de vous expliquer exactement ce que Touré Alpha Yaya a eu à nous dire. Voilà. Donc, Touré Alpha Yaya m'a dit, il a dit à Osoris que Kandia sort avec Alassane Dama Ouattara. Voilà. Et maintenant, Ahmed Baka, la femme de Alassane Dama Ouattara, aujourd'hui, elle s'est plaint à son mari pour dire non, que toi-même tu vois que Kandia là, elle vaut rien. Tu l'es venu, tu l'as soulevé, tu allais la déposer pour être ministre de l'éducation. Tu vois bien même que aujourd'hui, les Ivoiriens ne sont pas d'accord avec. Et tu as vu même la polémie même qui se fait au niveau du pays concernant Kandia. Il faut l'enlever, tu vas aller mettre Kandia dans un autre truc. Mais côté de l'éducation, là, tu ne peux pas la déposer là-bas. Donc, c'est là maintenant que Kandia, qu'elle a pris son de ça, puisque Alassane et puis Kandia, moi, je ne suis pas là-bas, je ne suis pas dans leur chambre, donc je ne peux pas. Mais d'après ce que Alpha nous a raconté,
est rentré dans nos inbox. C'est gâté, hein? Hey, ne riez pas. Je suis en train de vous faire coco ça même de la vérité même quoi. Coco ça de la vérité. Nous sommes à 3600 personnes. Partagez massivement le direct. Partagez. Voilà. Donc maintenant, non, j'ai pas de thé, mais j'ai ça. Voilà. Assez de cœur, sécurisez mon direct. Donc maintenant, Alassane aussi, il s'est levé, il allait dire à Kandia que ah, voilà ce que Dominique vient de me dire, tout, tout, tout et tout. Dominique aussi, elle s'est fâchée, elle allait expliquer ça à Mme Bakayoko. Et donc, elle aussi a dit, ah, ok, donc, comme toi tu es là, elle a dit ça, on dit Dominique a dit à Alassane, comme toi tu ne veux pas laisser ta copine Kandia, voilà, et que je te dis de l'enlever dans cette histoire des ministres de l'éducation parce qu'elle ne fait que salir l'image du pays. Il ne faut pas venir te plaindre parce que moi aussi là, je ne vais pas laisser Ahmed Bakayoko. Vous avez entendu, non? Elle aussi a dit, elle ne va pas laisser un bac parce que Alassane Draman Ouattara ne veut pas laisser Kandia. Donc tant que Alassane Draman Ouattara va entretenir une relation avec Kandia, elle aussi là, laisser son Ahmed Bakayoko. Donc voilà problème. Je vous explique quelque chose. Hein. Voilà problème maintenant qui est arrivé entre Kandia et puis Dominique. Donc maintenant, comment on appelle Alpha Yaya, ce Kwakwato qui allait voler l'argent dans le sac de Kandia maintenant, il a su, je ne sais pas dans lesquels coups, que oui, que la ministre Maretou, ministre Maretou, je t'adore, je te claque plein de bisous. Mais je suis obligée, je dois aux Ivoiriens, je dois dire la vérité, je suis obligée de sortir. Voilà. Et puis faire un peu de cassement de papo. Vous voyez, non? Je suis obligée de le faire. Parce que moi, je suis dans la transparence. Je n'ai rien à cacher. Ce que vous voyez là, c'est mon tout qui est là. Mon devant, mon derrière là, c'est tout qui est là. Je n'ai rien à cacher. Voilà. La preuve en est que ça, c'est une parenthèse. Quand ils sont sortis, qu'ils ont divulgué ma carte nationale d'identité avec mon passeport américain là. Vous avez vu qu'ils ont eu autre son encore à sortir sur moi? Parce que moi je suis là, je mène ma vie, je suis très réservée. C'est tout ce qu'ils avaient sur moi, ils ont mis sur les réseaux sociaux. Sinon, s'il y avait plus, il y avait des sons encore plus dangereux là, sur moi là. Je vous jure qu'ils allaient faire. Hier, sur mon direct, il y a quelqu'un qui a eu à écrire, ça c'est entre parenthèses. Il y a quelqu'un qui a eu à écrire que oui, que la guêpe, on va chercher un gars qui est bien beau, bien tout, tout, tout et tout. Il va venir te draguer comme ça là, il va sortir avec toi et puis il va te filmer. J'ai dit, mon gars, si c'est moi seulement là, tu as joué bidé. Tu as joué bidé. Ce n'est pas ce genre de choses qui peut moi m'atteindre. Voilà. Ça, il faut être rassuré. Parce que la personne avec qui je suis là, la personne même sait que si mes fesses sont dehors, lui aussi ses fesses sont dehors. Donc, ça peut, il ne peut même pas s'amuser à ça. Voilà. Donc, pour le moment là, je suis dans mon comme ça. La personne avec qui je serai là, je vais me rassurer. Donc, ne vous inquiétez pas. Si c'est ce côté là, la guêpe, elle est tranquille. Donc, je reviens au Konkosa. Ah, moi, je ne sais pas si le vieux... Ah, toi, comment on appelle? Ahmed Zoku, là, tu poses les questions après, là, ça peut me mettre dans les problèmes. Que est-ce que Ado... je ne réponds pas à ça. Oui, je suis là, je ne suis pas là, j'ai trop de problèmes. Donc, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Ahmed Bakayoko, pardon, Toura Alpha Yaya, il a appris que oui, il est venu dire non que la ministre Marietou était avec quelqu'un. Et que la ministre Marietou, elle a laissé la personne pour aller avec Amadou Gon Koulibaly. Que est-ce assez de cœur sécuriser mon direct? Parce que comment on appelle là? Les gens, les têtes de moi là sont là. Donc maintenant, il dit oui, que, comment on appelle, la ministre Marietou était avec quelqu'un et qu'elle a laissé la personne pour aller sortir avec Gon. Alors qu'elle-même, elle sait bien qu'à ce tout là. Assez-toi, elle ne va pas s'amuser avec elle. Assez-toi, elle est connue par tous les marabouts. Moi, comment je ne fais pas de maraboutage? Ne riez pas, je suis dans mon sérieux. Et que assez-toi, la femme, la première femme de Gon, qu'elle est connue par tous les marabouts, que comment est-ce que Marietou peut aller se mettre dans ces genres de trucs à Amadou Gon? Amadou Gon, même déjà, il a déjà trois femmes, trois ou deux femmes. Que ce monsieur-là même, il a. Et puis, c'est lui qui est venu nous dire que, moi, je ne savais pas, hein, que Amadou Gon, là, qu'il a diabète. Il a tension. Moi, je ne savais pas. Je savais qu'il a un problème de cœur. Mais c'est lui qui est venu dire non que le monsieur a. Ça m'a fait mal.
Parce qu'Amadou Gon, c'est notre premier ministre, tu vois, sorti, venir dire ce genre de choses de lui-là. Ça m'a quand même choqué, ça m'a fait mal. Hein. Je sais que vous n'allez pas croire ce que je suis en train de dire, mais c'est la vérité. Ça m'a fait très mal. Quand Alpha Yaya est venu me dire, est venu dire dans nos imbas, dans le passé qu'Amadou Gon, il a le, comment on appelle, il a la tension, et qu'en plus de cela, il a le diabète, et puis il est asthmatique, et puis il a problème de cœur encore dessus. Voilà. Donc, c'est Alpha Yaya qui allait dire ça. Donc, quand il a dit ça, j'ai dit, le monsieur, il parle beaucoup d'elle. Heureusement que je suis très vigilante. Je pesais mes mots et tout, quoi. Donc, pour revenir sur le cas, donc, il dit, oui, comment ça se fait que Marie et tout, elle ne se donne même pas de la valeur. Elle va aller sortir avec Amadou Gon, quelqu'un qui a déjà trois femmes. Elle va chercher quoi avec, elle va aller faire quoi avec lui. Donc, vous avez remarqué qu'arrivé un moment, là, Touré Alpha Yaya, comme il a été fermé par Kanja, il paraît qu'il allait voler dans le sac de Kanja. Il a été fermé et que Kanja met la... Je dis, vous les cadres là. Vous les cadres de Gon là. Je dis, arrêtez de faire vous ce que vous faites là. Je n'aime pas ça du tout. Vous connaissez la vérité, vous vous asseyez là-dessus. Ce n'est pas bon. Le jour que Kanja, le Kanja est sorti aller parler à faire de vol de Touré Alpha Yaya dans son sac. Touré Alpha Yaya allait parler à faire de... Kanja allait parler à faire de vol que Touré Alpha Yaya allait faire chez elle. Là. Qu'elle vous a renié, elle vous a parlé de ça. Là. Je sais que vous êtes en train de me regarder. Je vous vois très bien. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas sorti pour aller parler de ça? Pourquoi vous n'avez pas parlé de ça? Vous faites semblant. C'est de l'hypocrisie. Moi, j'appelle ça hypocrisie au dernier degré. C'est de l'hypocrisie. Parce que je vous connais, hein? J'ai la liste de votre nom. Toutes les personnes qui étaient là quand Kanja a fait le cassement des papos là. Wallahi Bila, si vous ne sortez pas pour rentrer dans mon inbox là, vous mettez votre papos là. J'ai dit, j'ai ça même, c'est comme ça quoi. Je vais faire le cassement de votre papos là, one by one. Apprenez à respecter les gens. Hein? Parce que quand on insulte le leader là, vous êtes content. Hein? Vous adorez ça. Quand on parle mal de Soro là, vous voyez que vous êtes bien à l'aise. Vous enjoyez, vous comment que vous enjoyez ça même. Mais quand on parle de Touré Alpha Yaya, on fait cassement des papos là. Vous le couvrez, non? Mais Alpha Yaya, je t'ai dit que toi et moi on est koyi. C'est pas un débat. Toi et moi on est koyi. Tous les katas vont rentrer dans mon inbox. Je vais faire le papatoya de ça. Vous avez vu, je grossis pas. Hein? Ça quoi le papatoya là? Et le moral. Ayez le moral. Un gouvernement de Mougousseur. Vous n'avez pas honte. Hein? Vous êtes là. Donc c'est là. Je vais continuer mon affairage. C'est comme ça que le problème a commencé entre Kanja et puis Touré Alpha Yaya. C'est comme ça le problème a commencé. Donc maintenant il allait chercher. Puisque le leader là s'est fermé. Et puis j'ai à vous dire. Hein, est-ce que vous savez que le moment où Touré Alpha Yaya était en train de dire que sa maman était malade là? Il y a une période où oui, sa maman était malade, mais il y a une fois où Touré Alpha Yaya a fait croire que sa maman était malade là. Je vous dis que sa mère n'avait rien. La maman de Touré Alpha Yaya n'avait rien. Elle n'était pas malade. Il allait mentir pour anarquer, pour qu'on puisse lui donner de l'argent. C'est pour cela que Touré Alpha Yaya allait mentir que sa maman est malade. Vous voyez, quelqu'un même qui va aller mentir sur maladie pour déposer maladie sur sa propre mère. Mais lui là, c'est un maudit. C'est un maudit. C'est ça. C'est un maudit. Tu vas aller mentir. Attendez. Il y a eu la guêpe là. Non, mon affairage. Ne quittez pas, hein. Pendant qu'elle fait coco ça, il y a un autre coco ça encore qui est rentré dans mon inbox. Patientez, on est au Koyo aujourd'hui, mettez les passes. Hein? On dit quoi? Hein? En parenthèse, voilà un nouveau coco ça. Il paraît que. Hein? Amira Blindé. Mon chéri Coco, Amira dit qu'elle serait sa deuxième femme. De... Faut aller là, ça a chauffé. De... Amira, faut mettre le cœur pour moi. Je t'adore, mon chéri. Je suis madame Amira maintenant. De... Dans le prochain Coco, ça qui est rentré dans mon inbox,
On dit que, en ce moment, à cet instant T, Alassane Draman Ouattara veut soulever Amadou Gon Coulibaly, qui était dans les soins à Paris, pour qu'il puisse venir finir ses soins à Abidjan, pour ne pas qu'Amba puisse assumer l'intérim. Hey, de premier ministre. Ça, on appelle ça breaking news. Mettez le cœur pour moi. Non, mon réseau est trop fort. La rumeur dit que Ouattara oblige Gon à venir terminer ses soins de réadaptation et de convalescence à Abidjan pour pouvoir dégommer en bas de la primature au plus tôt. Oui. Alassane Draman Ouattara, mettez le cœur pour la guêpe. Oui. Yeah. Donc c'est ça qui se passe. Donc je vais revenir encore sur mon cocossa. Ce qui s'est passé maintenant. Donc, Alpha, Toura Alpha Yaya a commencé à se coller à marier tout maintenant parce que quelque part, il a vu que Kandia a fermé, comment on appelle, ses réseaux. Il a vu aussi que le leader a pris drap de tout ça. Vous savez que moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. Peut-être que le leader va me dire pourquoi j'ai dit ça, mais je vous dis parce que c'est la vérité. Vous savez que Soro Gibafouri Guillaume, là, il est au courant de tout ce que Alpha la faisait. Est-ce que vous savez ça? Soro, là, moi, je vous dis que mettez le cœur pour le leader. Soro, c'est quelqu'un qui observe. Soro ne parle pas. Mais le fait que Soro ne parle pas, là, ça ne veut pas dire qu'il voit certaines choses et puis, comme s'il ne voit pas, pardon. Soro voit beaucoup de choses, mais il ne parle pas. Hé, Blindé dit que ma chérie, je t'aime. Hé, je t'aime aussi, Blindé, mon amour, mon cœur. Eh, hey, nos foyers là, vraiment, on va fléchir genoux pour que ça puisse marcher. Parce que hey, le mari, il est fator, la femme est fator. Donc là, ça va aller. Je vais commencer à prier. On va intercéder. Ma console va prier pour nos foyers là, blindés. Je t'adore, mon cœur. Donc, comme je le disais, Soro qui est là, il ne parle pas. Mais il voit, c'est qu'il voit plus loin que vous-même, vous ne pensez. Soro voit beaucoup. Soro savait que Alpha allait partir. Mais Soro, c'est quelqu'un de humble. Soro, c'est quelqu'un de, comme on le dit, de vraiment, il est, c'est que, il va te laisser aller au bout de ce que tu veux faire. C'est comme ça Soro est. Pour ceux qui connaissent Soro Gibafouri Guillaume, là, Soro, c'est comme ça il est. Il va te laisser aller jusqu'au bout. Soro savait tout ce que Alpha faisait. Il savait. Mais Alpha lui-même, là, il allait se vendre. Il allait se vendre parce que c'est un homme de sans conviction. Donc, pour revenir sur mon papa Toya, il s'est collé à marier tout parce qu'il a voulu en même temps créer la zizanie entre marier tout et puis, Kandia. Et il y a un de mes directs, j'avais fait une fois où j'ai parlé des questions d'or, les bijoux d'or, qu'il y avait un problème entre Kandia et puis la députée Ibiekissé. Touré Alpha Yaya, là, c'est lui qui a la base. Que Mamie Ibiekissé allait prendre, c'est son nom, excusez-moi, moi-même son vrai nom, là, écrivez, parce que je ne me rappelle pas. Je le vois, quel est son vrai nom, même? Mamie Ibiekissé, là, quel est son vrai nom? Bon, écrivez son nom, parce que je me rappelle même pas de son nom, à force de l'appeler Mamie Ibiekissé. Donc, cette dame est allée prendre des bijoux encore chez Kandia. Voilà. Quand il y a eu des problèmes d'échange de bijoux, c'est Toura Alpha Yaya qui est venu encore. Je vous fais cassement de papou, qui est venu nous parler de ça encore. Voilà. Donc, au niveau même de Marietou, qu'elle même elle a su, la ministre Marietou, je t'adore, je te claque des bisous. Toi, en tout cas, je t'adore. Donc, quand la ministre Marietou a su que vraiment. Ah, Mariam, voilà, Mariam Ibiekissé. Voilà. Donc maintenant, Marietou a su que Alpha Yaya était dangereux, un élément dangereux, elle aussi, elle a commencé à se retirer de Touré Alpha Yaya. En ce moment-là, je mets Touré. Ah, Mariam Traoré, ah, son nom, Mamie Ibiekissé, Mariam Traoré. Est-ce que, voilà, elle aussi a commencé à se retirer de Touré Alpha Yaya. Donc, c'est comme ça, ce monsieur-là,
il a commencé, puisque au niveau du RHDP, là, nous tous on sait que c'est zéro pointé, zéro à la base, comme mon papa le dit. C'est zéro à la base. Donc maintenant, il va chercher d'autres voies et moyens de pouvoir continuer à anarquer les Ivoiriens. Donc maintenant, la voie qu'il a trouvée là, c'est d'aller faire maintenant les blanchiments d'argent avec les Dramerats, avec les, comme on appelle, les Traoré bois. Voilà, c'est comme ça qu'il fait blanchiment. Maintenant, je mets Touré Alpha Yaya au défi. Vous savez qu'il allait en Guinée un moment là. Pourquoi Touré Alpha Yaya ne peut pas arriver en Guinée? Il allait prendre de l'or. L'or en Guinée, attendez, André, il y a un autre affairage encore qui veut rentrer. Partagez le direct, nous sommes à 5000 personnes connectées. Partagez. Touré Alpha Yaya est allé, il allait en Guinée. Il allait en Guinée maintenant, il allait prendre l'or en Guinée et il a dit aux gens que lui, il allait prendre l'or là, venir vendre et puis maintenant leur apporter leur argent. Touré Alpha Yaya en ce moment, pardon, le diamant. Je vous dis qu'en ce moment, Touré Alpha Yaya même, il est recherché par des vendeurs de diamants au niveau de la Guinée où il est en train de se cacher. Touré Alpha Yaya, moi je te dis, hein, les Guinéens là, eux là, ils ne durent pas dans mauvais rêves. Le diamant que tu as pris, tu as fui, tu as quitté Guinée là. La marmaille que tu allais faire là-bas, tu as fui, tu as quitté là. Si tu ne vas pas donner leur argent là, je te jure qu'ils vont te faire du mal. Ça c'est sûr. Hein? Ils vont te faire du mal. Donc cherche à aller donner l'argent. Ou bien tu remets les diamants des personnes que tu as volées en Guinée. Il faut aller leur donner leur argent, mais tu leur remets leurs diamants. Parce qu'eux là, ils ne vont pas s'amuser avec toi. Si tu n'as pas pris quelque chose d'eux, ils ne pourront pas t'atteindre. Mais le fait que tu as quelque chose dans ta possession, tu as bouffé, tu as pris leur diamant, tu as allé vendre et tu as bouffé cet argent, quand ils vont te faire quelque chose à s'atterrir, c'est péril. Donc maintenant, Touré Alpha Yaya, c'est la marmaille. Il est rentré dans la marmaille. Il allait même gâter, même le dernier kata même qui a fait péter les plombs de Kandja. C'est quand il allait dire oui que Kandja même est fan de lui. On dit Kandja a failli péter les plombs. Il allait dire que Kandja est fan de lui, c'est pour cela qu'elle lui fait des histoires. Alors que Kandja a fait des histoires avec Touré Alpha Yaya, c'est parce qu'il allait voler dans son sac à main. Il est même venu nous dire que Enza Camara, qui est le mari de Kandja, qui est à Philadelphie aux États-Unis ici, que ce gars-là, ils sont fous de Kandja. Que ce gars, il a plein de copines ici. Il allait sortir, mais il paraît avec une femme mariée. Quoi, je ne sais même pas. Moi, ces genres de choses-là, je ne rentre pas dedans. Mais c'est ce qu'il a eu à dire. Qu'il allait sortir, même qu'on a failli même le tuer avec la copine d'un Américain, quelque chose comme ça. Qu'on a failli même le tuer, même dans ça. Il s'est cherché. Donc, vous voyez. Oui, il a volé le diamant. L'as, la bénédiction Touré. Je te dis qu'il a volé. Il a pris le diamant de certains Guinéens. Je lis les commentaires, je reprends. Il a pris... le diamant des Guinéens. Attendez, je vais venir à mon chargeur là, mon portable est déchargé. Je vais venir à mon chargeur, une seconde. Voilà. Attendez, j'ai chargé mon portable. Parce que ce coucou ça là. Voilà. C'est propre. L'histoire là, c'est kilométrique. Tout ça là, c'est rentré dans mon inbox. Donc maintenant, il allait voler il allait prendre des diamants des Guinéens. Il leur a fait croire que, oui, je vais, comme on le dit, je vais venir avec le diamant. Je vais aller vendre. Je vais vous donner votre argent et puis les rentrer en bourse. Vous le connaissez, c'est un marmailleur. C'est un voleur. C'est un bandit de grand chemin. Voilà. C'est un bandit de grand chemin. Il est habitué à faire la marmaille. Il est habitué à voler. Donc, lui là, c'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Voilà. Touré Alpha Yaya sait que, en ce moment là, moi j'attends Adou Richard. Parce que Bupé Adou Richard, hein, lui-même où il est là, le grand procureur, moi j'ai dossier sur lui. C'est pas un débat. J'ai dossier sur lui. J'attends de voir
quelles seront les conséquences, voilà, de... Attendez, j'ai bloqué quelqu'un. Quelles seront les conséquences, les retombées de ce que Touré Alpha Yaya allait faire dans la banque de près de 1 milliard là. Moi, la guêpe et les Ivoiriens, là, nous voulons savoir quelle est la suite de ce projet-là. Parce que j'ai tout donné. J'ai fait un article, j'ai déposé. J'ai même montré la vidéo de ce qui s'est passé. Donc, les choses, Adou Richard ne peut pas sortir, venir me dire qu'il n'y a pas assez de preuves quelque part pour pouvoir soutenir. Donc, si Adou Richard, lui-même, dans son affaire de Adou Richard, s'il ne mène pas ses investigations concernant cette histoire de Touré Alpha Yaya, lui-même, je vais faire cassement de papos sur lui. Ce n'est pas un débat. Lui-même, Adou Richard, là, je veux casser ses papos. Parce que pour lui, là, la liste, elle est comme ça. La liste, elle est longue. C'est de ses petits go jusqu'à rentrer dans tout. Je vais faire le cassement de papos. Donc, il ferait mieux de chercher à résoudre ce problème de Touré Alpha Yaya, là, quoi. Parce que nul n'est épargné. Si Pradomé n'est pas épargné, c'est pas toi, Adou Richard, qui me fait peur. Hey, je suis la guêpe. Je suis la guêpe. Je n'ai peur de rien. Je suis en Ouru Fatou, je suis là. Je n'ai peur de rien. Donc, Adou Richard, le jour que tu ne sors pas et mener tes investigations concernant cette histoire de Touré Alpha Yaya, là, je vais t'aider. Parce que toi-même, ton cassement de papos, là, je vais déposer ça sur les réseaux sociaux. Parce que nul n'est épargné. Nul n'est épargné. Voilà. Donc, c'est le problème qui s'est passé avec Touré Alpha Yaya et puis Kandja. C'est ce problème. Touré Alpha Yaya, c'est un voleur. C'est un délinquant. C'est un délinquant. Je ne sais pas comment je vais expliquer. Un marmailleur. Un menteur. Touré Alpha Yaya. C'est ce qu'il est. Aujourd'hui, c'est lui qui allait convaincre. Maman Tazéré, je t'adore bien, c'est ma maman. Mais quand il y a la vérité, il faut dire. Si vous voyez aujourd'hui, là, je me suis jamais prononcée sur... sur Tazéré. Je me suis jamais prononcée sur elle. Voilà. Parce que j'ai ma relation avec elle jusqu'à présent. Elle n'a pas brisé. Mais quelque part, ce que je peux dire concernant elle, c'est que c'est Touré Alpha Yaya là. C'est lui qui a la base. C'est lui qui allait, on lui a donné comme mission d'aller chercher à dénicher tous ceux qui sont au niveau du GPS en pensant. Il y a des personnes même qui ont déniché qui n'ont aucun poids. Voilà, il faut le dire. Au niveau du GPS, leur resteur, leur partie égale à zéro. Voilà. Donc, c'est Touré Alpha Yaya que le RHDP a choisi pour pouvoir chercher à dénicher, les partisans du GPS. Donc, c'est son travail. Et quand il les déniche là, on lui donne une commission là-dessus. C'est pour cela que, même quand il est parti au départ, il a voulu garder une relation. À combien de reprises, moi, j'ai insulté Touré Alpha Yaya, je l'insulte. Même là, j'ai l'insulté, peut-être il va rentrer dans mon imba, il va dire, la guêpe, pardon, pourquoi tu fais ça? C'est comme ça. Parce qu'il va chercher par les voies et moyens, même quand tu vas l'insulter là. Lui, sa mission là, elle n'est pas encore accomplie. Et la mission de Touré Alpha Yaya, c'est de chercher à dénicher, à prendre tous les cyberactivistes, voilà, ou même les personnes des députés, voilà, qui sont au niveau du GPS, en pensant que ces personnes peuvent quelque part... Non, Tazéré n'est pas un enfant, je sais, elle n'est pas un enfant. Chacun assume ses responsabilités. Mais je veux dire que, quelque part, il est la personne qui est en train d'inciter. Il va dire, il faut venir. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. Si Tazéré, je n'ai pas dit qu'elle a dit ça, mais c'est moi, ma conception, c'est ma manière de voir. Si Tazéré avait su que Alassane Dramane Ouattara n'allait pas être le candidat du RHDP, je ne pense pas qu'elle allait prendre cette décision. Ça aussi, c'est la vérité. Je ne pense pas. Parce qu'elle-même, on l'a dribblé aussi. Moi, c'est ma conception. Je n'ai pas dit que Tazéré a dit ça. Parce que j'ai l'impression qu'elle-même, on l'a dribblé. Parce que nous tous, on sait qu'Amadou Gon, il n'a pas de poids. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc, tu ne peux pas quitter Soro Guibafuri Guillaume
pour dire que tu vas aller à Madougon. C'est impossible. De vous à moi. C'est impossible. Donc, elle s'est dit, ah, donc c'est Prado. Mais maintenant que Prado n'est pas là, qu'on dit ça à Madougon, ah, avion ne peut pas marcher ou marcher derrière, comme on le dit dans nos jargons. Voilà, tu es mise devant les faits accomplis. Tu ne peux pas aller devant, tu ne peux pas aller derrière, tu es en statu quo. Voilà. Donc, ce gouvernement-là, c'est un gouvernement des marmailles. Voilà. C'est des bandits, c'est des marmailleurs. J'ai fermé ma porte. C'est des bandits, c'est des marmailleurs. Voilà. Bipé, va, yeah, c'est ça, hein. Bipé, Ndema Ouattara n'a qu'à venir écouter. C'est des bandits, c'est des marmailleurs qui ne font que penser à leurs intérêts et seulement leurs intérêts. Sinon, ce n'est pas dans le bien-être des Ivoiriens qui le font. Hein. Je vous dis ça, hein. Ce n'est pas dans le bien-être. En ce moment, la seule personne qui est capable, en ce moment, à cet instant T, de pouvoir amener un changement dans notre pays, là, c'est Sorou Gibafouriki. Je vous dis ça tout le temps. C'est le seul qui peut amener un changement dans notre pays. Parce que Sorou, là, c'est lui qui est rentré à Draman dans le bois sacré. Donc, Draman ne peut pas venir faire sa comédie devant Sorou et puis Sorou va être effrayé. C'est impossible. Voilà. Il ne peut en aucun cas. Ah, mais c'est ça, hein. Oui, Pierre Nicholson, c'est pas un débat, t'inquiète. Vous voyez, c'est Sorou qui est l'antidote, c'est le médicament. Petit cola, là. Hey, il est le petit cola du RHDP. Le forotomougou, la chicotte de papa, comme Soule le Paris le dit. Vous voyez, donc ce monsieur, c'est la seule personne qui peut nous emmener à envoyer un changement. Moussa Zoubaï qui me dit, tu ne manges pas au bien. Hey, mon cher, quand tu es mince là, c'est que tu manges bien, c'est du caviar. C'est caviar seul qui fait que l'on ne grossit pas. C'est pas, il mange trop bien que je ne grossis pas. Jaloux. Je mange la qualité, pas la quantité. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Donc, adhérez-vous à GPS. Il y a des frappements, des cassements des papos encore à venir. Ne soyez pas, comme je le dis, ne soyez pas surpris. Quand je vais entendre là, quand j'entends cassement de papo, automatiquement, pour moi là, je n'aime pas, quand j'aime pas, comme on le dit, garder les choses, je vais sortir et puis je vais faire le cassement, je vais partager. Ah voilà, avec mes frères ivoiriens, parce que je vous adore. C'est ça qu'on appelle l'union, la cohésion. Tout ça là, même dans le coco, ça, on fait l'union, on fait la cohésion, on partage tout. Je vais tout partager avec vous pour que vous compreniez que l'heure à laquelle nous sommes arrivés là, voilà. Il faut un changement et un changement concret. Donc, c'est ça, oh, c'était mon coco, ça. Je vous embrasse. Donc, it was the coco, ça, of today. I wanted to let people know what's going on, yeah, in Africa, with this, you know, this government, how they, you know, they're dealing with all this situation, with this man named Toural Fayaya. He's a... Voilà, et moi aussi me fait rire. Donc, c'était ça mon direct. Je voulais partager avec vous dans mon sérieux. Voilà ce qui se passe. Voilà le cassement de papo. C'est quel sujet déjà prévenu. Vous qui étiez là, là quand Kandia a fait le cassement de papo, là, rentrez dans mon inbox. Sinon, j'ai fait cassement de papo sur vous. Adou Richard. I see you, you see me. Tu es dans mon rétroviseur. Je ne vais même pas te rater. Donc, tu ferais mieux de chercher une solution au vol que Toural Fayaya, blanchiment d'argent qui se passe des opérations qui se passent dans notre pays en ce moment et à cet instant T. Voilà. Sinon, moi-même, je vais t'aider à faire le cassement de ce papo. Donc, je vous claque des bisous. Voilà, je vais repartir sur le son. D'abord, Bruno, je te respecte la guêpe. Voilà, et si tu ne me respectes pas, tu as respecté qui encore? Take care of yourself. Yes, thank you so much, Nadine Diabaté. Thank you. Really appreciate it. Dopé qui dit affaire de la guêpe, là, tous les hommes qui veulent l'épouser, là, il faut qu'on se frappe entre nous. Hey, il y a d'autres qui ont pistolet derrière le moral. Assez de cœur pour notre leader. Président de la jeunesse,
Tu veux, tu veux pas. Ah, Poidou Richard là. Hé, hey, ça sera un dangereux cassement. GKS. Soro Guillaume. Ah, 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 ah. Ok, merci à tous. Je vous claque plein de bisous. Et je viens de faire un direct, là, il n'y a pas longtemps, sur la marmaille de Doumia Major. Allez visionner ce direct. C'est très, 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 c'est très intéressant. Allez-y, vous allez apprendre beaucoup de choses, voilà, dans ce direct. Donc, net que vous vous déconnectez ici, repartez sur ce direct de Doumia que j'ai eu à faire il y a quelques heures de cela. Allez visionner ce direct. Ce monsieur qui est un menteur, qui est un marmailleur, voilà, qui est un payé, un vendu du RHDP, qui passe son temps seulement à vouloir dénigrer les opposants parce qu'aujourd'hui, il se pense qu'il est arrivé. Et c'est quelqu'un qui est payé par le RHDP, qui est payé, voilà, qui va recevoir, qui va prendre un chèque au niveau de la présidence. Voilà. Doumia Major va prendre un chèque au niveau de la présidence chaque mois. Et je vous dis que c'est l'argent du contribuable. Comment vous pouvez concevoir que l'argent du contribuable est confondu à l'argent du RHDP? Et avec ça, on dit le pays va, tout va bien, tout baigne. Allez visionner ce direct-là. Vous allez beaucoup apprécier parce qu'il y a beaucoup de, sons dedans. Voilà. Donc, je vous claque plein de bisous. Je suis au relax, voilà. Je vais mettre mon hamac et puis bon, je vais m'enjoy quoi. C'est ça, hein? On est dans le confinement, donc on fait avec. Voilà. Donc, gros bisous à vous. Excellente soirée. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun, que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés et qui nous emmène le sens du discernement. Mon élément, je suis au serré. Toujours. Tu connais à faire là. À Tegban. Donc, gros bisous à vous. Et on a plus.